Bonsoir Internet, bonsoir Twitch TV, bonsoir YouTube en rediffusion. Bonsoir les amis, pour ce petit live improvisé d'une petite heure. Direction Guild Wars 2 pour du farm de champions. Voilà, donc comme d'habitude entre amis, n'hésitez pas à me MP en jeu pour grouper. On va se faire farm de champions en mode no stress entre copains, voilà, discuter, rigoler, tranquille, tout ce qui va avec. Je rappelle en ce début de live, début de vidéo, que vous avez divers liens intéressants à suivre. Le Twitter, le Facebook pour ne rien louper des nouvelles. Le blog Casamania.net avec les anciens guides sur diverses MMO, dont Guild Wars 2. La page de dons, bien évidemment, pour pouvoir avoir un nouveau casque, ce genre de choses. Et puis, bien sûr, le YouTube. Mais je pense que vous venez tous déjà de YouTube. Et là, je suis donc parti déjà sans vous parce que j'attends toujours que vous manifestiez en jeu pour que je puisse vous grouper pour le début de ce World Boss Tour farm de boss mondiaux. Et je commence par la guivre de la jungle. Voilà, donc le but étant de faire des sous, tout simplement faire des sous entre copains, farmer. Il y en a qui ont besoin de, comme moi, de faire leur armure élevée. Donc c'est le moment d'aller farmer. Donc j'aurais besoin aussi de retour, hein, bien évidemment, technique sur la qualité du flux, stream, vidéo et son. Avec la difficulté étant d'avoir un ratio voix-jeu pas trop dégueulasse, hein. Donc n'hésitez pas à réagir là-dessus. Donc voilà, vous savez où me trouver, vous pouvez me MP. En jeu, la guilde Smaluron TV est ouverte. Et donc le prochain World Boss sera le destructeur au Mont Malstrom. Et là on est sur la guivre de la jungle qui est en train de pop. Elle est belle, elle est grosse. Elle est grosse ma guivre. Allons-y. Il y a beaucoup de monde en ce lundi 22h passé, 22h30. 22h20. Guivre à 50%. C'est vrai que j'aimerais bien faire un petit Equatol une fois quand même en live. C'est quand même un de mes warm boss préférés. Donc ça peut s'organiser avec les abonnés. Ce genre de sortie. Voir un petit truc sympa. Une petite sortie sympa pour faire du loot. Entre copains, j'ai bien rigolé. Et la guivre tombe tout simplement, comme d'hab, hein. La guivre c'est assez facile, j'ai eu deux coffres pour la cotille. Hop. Et le coffre bonus. Et le loot. Et donc on va vérifier le timer. Deuxième prochain World Boss dans 11 minutes, le méga destructeur. Allez hop. Méga destructeur, mon Malstrom, c'est par ici. Hop. On approche, point de passage contesté. Il va falloir passer par le trou. Je sais jamais où c'est. On va suivre les gens, eux ils savent. Que ça va déjà directement se positionner au mon Malstrom. Par où, par là. Ah oui, j'étais très loin. Hop.
Ouh, faut pas sauter. Ouh, faut éviter de sauter. Je pourrais semer un centaure. On va y aller comme ça, no stress, tranquille, easy. Hop. Là. Donc 10 minutes encore avant le méga destructeur. N'hésitez pas à me en jeu Casavania Alexa. Serveur mère de Jade pour qu'on puisse grouper et faire ensemble les World Boss. Les World Boss Tour, soirée farm pendant une grosse heure, entre copains, en live, tranquillou. Discuter Guild Wars 2. Pour ce lundi. Lundi du mois de février, 22h passées. J'avais lancé quelques annonces quand même sur Twitter histoire de rameuter tous les abonnés qui n'auront pas vu le lancement du live. Oups, je suis trompé. Je suis passé au mauvais endroit. C'est plus par là, faut continuer tout droit. Hop. Voilà, il y a déjà du monde, hein, comme d'hab ici. C'est toujours blindé. Et je vais faire une petite pause pour aller rameuter des gens sur les réseaux sociaux. Hop là. Et j'ai Inotna en spectateur. Je t'ai vu, escroc. Je crois que je t'ai pas vu, mais je t'ai retrouvé. Car je peux tout voir, mon cher Inotna. Inotna qui n'a toujours pas trouvé le MMO qui le tiendra durant toutes ces nuits folles. Eh bon. Un petit cocac. Et j'ai Anis Yamato, c'est un groupe random qui m'invite. 7 minutes avant le méga destructeur. On va attendre, patienter, vider les sacs. Qu'est-ce que j'ai beau là-dedans? Ça va mieux. Hop. Une femme est en live avec moi ici. On va rameuter un peu tous les gens qui sont en fan. C'est du gros spam. Hein. Mais bon. Il faut ce qu'il faut. Je vois la C'est quand? En ce moment. J'en suis à Azorius. Maximal.
Nagar. Misselb, salut à toi, je te suis depuis les débuts de mon aventure sur Diverso, je te remercie pour tout. Et merci à toi, mon cher Misselb, de laisser un petit commentaire plaisant. Alors qu'on me propose de venir PVP. Mais c'est pas le moment de PVP. C'est le moment d'aller farmer. Kapake, yop. Salut Kapake, comment vas-tu? La forme, la pêche, la patate. Je suis en train d'essayer de recruter un peu des gens pour se faire une petite session farm en live des World Boss Tour. Si tu ne l'as pas encore fait, c'est le moment, dis-moi. Là, je suis groupé en random avec des gens, mais je vais quitter le groupe de random pour faire un groupe viewer abonné. Voilà. Donc je quitte mon groupe actuel. Le trou, salut le trou, bonjour bonjour le trou. J'adore le trou, j'adore ton. C'est le monde du rêve. Voilà, on va avoir un petit arrivée d'abonnés là qui vont arriver. Donc je rappelle que c'est le moment de me MP en jeu. Et j'ai beaucoup de gens qui me MP en me demandant où est-ce que je ferme, etc. Vous ne voyez pas le chat. Il va falloir vraiment que je mette tout le monde dans ma guilde pour avoir un canal de chat. Donc venez me MP en jeu. Kazamania Alexa. Pour se faire un groupe farm War Boss, donc j'attends. Hein. J'attends, vous avez le War Boss, le méga destructeur, mon Maelstrom qui pop dans 3 minutes 15. Dans 3 minutes 15, c'est le tien. Alors, invite Deezers. Ok, le trou, je t'invite. Déjà, hop, excuse-moi le trou, je t'ai un peu zappé. Nous sommes deux. Kapeke, t'es là mon pote? Que je t'invite. Deezers, c'est fait. Un KPK, bah t'es là, très bien. Hop, nous sommes actuellement en 3. On va faire le World Boss Tour tranquille. Clémence, Nio, hey tout le monde. Salut Clémence, comment vas-tu? La forme, la pêche, la patate, la banane, j'espère bien. En ce début de semaine, ce lundi. Froid, frais et un peu gris, mais toujours sympa. Tout de même. On est 3 sur 5, Clément, si tu veux nous rejoindre pour faire le World Bus Tour, c'est maintenant. Alors que je viens de remarquer que j'ai mon chat Twitch qui est un petit peu décentré. Propriété, fondio, hauteur, 375, j'aime 425. Hop, vous allez voir le chat changer. Position déplacée en haut, hop, déplacée en bas. C'est encore un peu petit. On va le passer à 475. Je pense que ça devrait être bon. J'ai refait un petit peu mon overlay. C'est surtout. Donc l'overlay, hein, je rappelle, hein, c'est ce que vous avez en plus sur votre écran par rapport à moi. C'est-à-dire le chat, l'icône Kazamania et puis la petite annonce qui défile les informations tout simplement. Je l'ai un peu changé pour toujours avoir en haut de l'écran le haut de l'écran disponible. Parce que c'est vrai qu'en. En PVP, c'est important de voir un peu les scores, etc. Là, ça déborde un petit peu. 470, je vais passer, ça devrait être très bon. Hop, on essaye ça. Position, et on a gagné un follower sur Twitch. Bienvenue à toi, cher ami. Voilà, là, on est bon. Là, on est très bien. Avec plaisir, peux-tu me faire rejoindre ta map? J'ai beaucoup de MP en jeu, malheureusement j'ai un peu de mal à répondre à tout le monde en même temps.
Bienvenue à Silver Mines, bienvenue à Mimil96 sur le live. Silverman, hey Clémence, allez, ça va aller mieux maintenant qu'il y a Kazal et HQ. Oui, ça. Je farme quoi? On me demande qu'est-ce que je farme. 10h, par où qu'on passe? 10h, il faut que tu trouves une espèce de faille sous la terre. Je vous fais un petit dessin, regardez sur la map, par ici. Voilà. Il y a des failles souterraines qui vous font passer sous le cratère. Dépêchez-vous les copains, ça pop dans 10 secondes, hein, le boss. Et oui, donc j'ai eu beaucoup de MP. Hein, je peux pas répondre à tout le monde en même temps, c'est un peu compliqué. Alors, bienvenue à Monsieur Auron TV qui vient de follow la chaîne. J'ai vu que tu t'es perdu le trou. Auron TV, bienvenue. Silver, Silver, pas Silver, mais c'est pas bien. Sliver, oui. Oh, oui, bah excuse-moi. Excuse-moi. Sliver. Sliver. La fatigue hein, du lundi, hein, tu sais bien que c'est pas évident tous les lundis. Voilà. Désolé hein, pour ceux qui peut-être m'écoutent et qui n'ont pas reçu de MP de ma part. C'est pas évident de gérer tout ça en même temps. Alors qu'on a récupéré dans le groupe Otash, Svenja. Otash, il me semble que je t'ai dédicacé un épisode il n'y a pas longtemps sur le Let's Play. Bienvenue à toi, mon pote. Yop, Otash, fais comme chez toi. Donc, les copains, vous avez trouvé. Ah, il y en a un qui est mort. Il y en a un qui a décédé sur le chemin. Deezers, il est toujours perdu. Kapake aussi. Il faut aller au milieu, les potes, hein, les poteaux. Il faut trouver les brèches dans le sol. Ça fait un, ça fait des failles. Hein. Ça fait des. Le boss est sur moi, mon cher Otash. Donc vraiment sur le point de passage de Malastrom pour tester. Bienvenue à Green Koulatis sur la chaîne Twitch. Serait Clémence Nio, serait-ce possible de rejoindre le groupe? Mon pseudo c'est Evadlou. Mais oui, je te connais, ma chère Clémence Evadlou. Je t'invite tout de suite. Alors, attendez. Là, on va pas y arriver. Il y a trop de gens qui s'invitent en même temps. C'est dommage qu'on puisse pas faire des groupes plus grands. Evadlou. Je te vois, mais j'ai plus de place dans mon groupe. 10h, il est là. Kapeke, il arrive. Otash aussi. Auron. Bon, écoute, désolé. Désolé, ma pauvre Clémence, mais on est full. Après, il y a peut-être moyen que tu grattes un peu la place à quelqu'un. Après, tu as le live, tu peux essayer de. Alors que je vois, il y a toujours les mêmes affreux qui sont perdus. Kapeke et 10h. Je vous assure, les poteaux. Hein. Ici, là, vers le point de passage, la volute. La volute théurgique. Attendez, je vous link ça dans le canal groupe. Voilà. Ici, là. Il y a un passage pour aller dans les sous-sols. Mais il y a de toute façon les TP, vous pouvez pas les prendre. Parce que les TP, ils sont en. Ils sont contestés. Mais là où je vous ai linké le chemin, la volute théurgique, vous avez un espèce d'escalier Azura qui vous fait descendre dans le monde Maelstrom et vous avez tout ce qu'il faut pour venir me. Auron, je peux laisser ma place s'il faut. Bon, écoute Auron, je vais te sortir. Merci de laisser de la place pour ceux qui veulent la place. Écoute, t'inquiète pas, hésite pas à rejoindre dès que tu peux. Je vais inviter donc Evadlou, voilà, invité dans le groupe. Le bonjour de Razor TV, c'est fait. Baderas, c'est fait. Hey, bonsoir Cass, bonsoir le chat. Salut Baderas, bienvenue. Fais comme chez toi, mets-toi à l'aise. Enlève ton slip, tranquillou, no stress, à l'aise. Ah, on a retrouvé un peu du monde, voilà. J'ai qui là, avec moi? J'ai Deezers qui a réussi à rejoindre. Evadlou, je t'ai invité, n'hésite pas à répondre. Kapeke est là aussi. Il manque plus Kotash qui est en train de venir à pied. Charmaine, c'est Riser sur Twitch. Bienvenue Charmaine.
J'en profite qu'on ait un peu de monde là, tout le monde qui rejoigne. Salut Green Koulatis, coucou Kaz et les autres, bienvenue à toi, de toi à l'aise. C'est le moment, vous savez que j'ai la guilde, voilà, Smile Your Own TV, qui est une guilde vraiment qui ne sert que à rejoindre les gens pendant ce genre d'événement, live, tranquille, no stress. Donc c'est une guilde qui ne sert pas du tout à représenter, hein. Je ne vise personne à représenter cette guilde, mais ça peut être utile que vous soyez dedans, juste quand, comme ça, pendant les lives, pour qu'on puisse se retrouver plus facilement. Donc MP-moi dès maintenant si vous voulez une place dans cette guilde, pour les futurs lives, futures vidéos, si vous voulez pouvoir grouper facilement, représenter de temps en temps, passer un coucou, etc. C'est juste l'intérêt de cette guilde. Je vois que pour le moment en ligne, je peux KPK et Deezers qui sont connectés, qui ne représentent pas, mais c'est pas grave, mais qui sont connectés. Je vais inviter les autres, MP moi, je vous invite dans la guilde, tout simplement. Voilà. Je rappelle que dans Guild Wars 2, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs guildes, bienvenue le trou sur la chaîne. Vous avez la possibilité d'avoir plusieurs guildes et de représenter celles qui vous intéressent le moment venu. Alors, Nagar, guille-moi, car je suis trop puissant. Hop, c'est fait. Oron de Trala qui me dit pour info, monsieur Oron TV sur ton live, c'est moi. Bah, écoute, bienvenue Oron. Je pense que avec un nom comme ça, tu dois aussi faire des lives. Charmaine, invite dans ta guilde, par contre, je ne pourrais pas représenter. Mais il n'y a pas de problème, Charmaine, hein. C'est vraiment juste histoire d'avoir une base, qu'on puisse un peu se retrouver, un peu tous, tout simplement, d'une façon plus facile. Je vous invite un par un, c'est le moment. Hop, Oron, je veux bien invite, c'est parti. Crashdown, je vais bien inviter, une invite, voilà. Donc là, on est déjà 5 dans le groupe. Les amis, le boss devrait pop. Alors on va se faire le méga destructeur qui pop dans 1 minute 16, hein. Alors je fais un petit rappel tactique, technique, le méga destructeur c'est pas bien compliqué, voilà, c'est un boss LM de feu qui va pop dans la lave, donc surtout ne rentrez pas dans la lave, sinon vous allez mourir comme des glands, il suffit de le péter à distance, voilà, tout simplement, à 75%, 50% et 25% il devient invincible, il se cache et vous avez un pack de mobs à tuer avant, tout simplement. Eva Dlou, pourrais-tu m'inviter dans la guilde? Je t'invite Eva, pas de soucis, haute tâche c'est fait, 10h c'est fait, voilà. La guilde reprend pro des membres, c'est sympa. Je rappelle que le lundi, comme aujourd'hui, c'est la rediffusion des lives. Le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, c'est des vidéos Guild Wars 2. Invitez-vous entre guildes, hein, les amis, mais moi je ne... Voilà, j'ai le temps de jouer, mais pas trop le temps d'être social, on va dire. Entre les lives et vidéos, j'ai pas trop le temps de m'investir dans d'autres guildes, donc celle-là est juste là pour fédérer une petite communauté autour de moi et de vous, parce que vous faites aussi cette chaîne. Vassaro, bienvenue 96, ouais, je te connais Vassaro, t'es déjà passé. Salut, ce coup-ci c'est PO, c'est pas à moi, bah oui, bah excuse-moi, il n'y a plus de place, mon cher Vassaro. Salut Man, salut David Jones, 4-4-4-4-4, ça fait 5-4, ça fait beaucoup de 4. Le méga destructeur devrait arriver très très rapidement. Il est temps de sortir les buffs. Donc, oh, Casamania, si tu vois ce petit message, je voudrais faire une dédicace à la guilde Frozen Nightmare et à tous ses membres. Bah, écoute, Otash, c'est doté. Voilà, ça serait une dédicace de live pendant que KPK nous fait de la musique. Donc dédicace de la part d'Otash Senva à la guilde Frozen Nightmare, et à tous ses membres. Donc dédicace que tu pourras retrouver, mon cher Otash, et partager en rediffusion. Je pense que cette rediffusion s'appellera rediffusion de live numéro 3. Et bienvenue aux nouveaux followers. David Jones, 4-4-4-4-4-4. David Jones, je suis fier de toi. Je suis fan de toi. Je suis fier de toi. Je lis un peu ce que je veux. Mais écoute, merci David Jones. Ça fait plaisir d'avoir ce genre de commentaires.
fais comme chez toi. Va salaud. C'est où déjà le mont Maelstrom? Écoute, c'est tout au sud de la map, hein. Sud-est de la map, à côté du donjon, le creuset d'éternité. Tu as le mont Maelstrom, une espèce de gros volcan en feu. Voilà. Alors que le boss se fait attendre plus que tout. Bon, je récapitule dans mon groupe. Je suis là, nous avons Deezers, tout simplement, qui est le trou hein, sur Twitch TV. Qui est un habitué. KPK aussi, cher ami et habitué des lives et de Guild Wars 2. Nous avons rameuté Otash, Svenja, auquel il me semble j'avais déjà fait une dédicace, hein, si je ne me trompe pas, sur un épisode de Let's Play. Et Eva Delou, Clémence Nio, voilà, qui est là. J'ai une petite question, Clémence. Il me semble que tu me suivais aussi sur Arcade, si je me trompe pas, ou sinon je confonds un pseudo. N'hésite pas à me corriger au cas où. Faut quand même faire éliminer les destructeurs. Ça, c'est les pré-events. Faut qu'on les clean pour que le boss puisse se lancer facilement et rapidement. Donc, si vous pouvez me suivre vite fait au sud. Bon, il y a déjà du monde qui sont en train de les faire, donc ça va être très rapide. Faut tuer les destructeurs, ça va. Vraiment, le boss va se lancer dans 10 minutes. Ça, c'est vraiment un boss qui est bon à se lancer parce qu'il y a des pré-events à la con. Donc, du coup, il y a un timer de merde à chaque fois. Mais il vaut le coup, il est sympa. Si vous l'avez jamais fait, il est tout en feu. Il est grand, il est beau, il est fort. Alors, David Jones 44, je suis 444, pardon, 4444. Je suis tout nouveau sur Guild Wars 2. J'ai créé un voleur. Mais écoute, bienvenue sur Guild Wars 2, mon cher David Jones. Alors, je voudrais pas qu'on me taxe de fanboy, qu'on me dise ouais, mais toi. Les gens de Guild Wars 2 ils sont sympas avec toi, ils te mettent les vidéos en avant-première, etc., etc. Donc, c'est pas pour ça que je suis mauvais langue, voilà, c'est pas pour ça que je suis un gros fanboy de Guild Wars et que je vais dire que du bien. Guild Wars 2 a quand même l'intérêt d'être un jeu hyper complet, un MMO très complet, que tu sois en PvE, PvP, craft, tu peux tout faire. Il a surtout l'intérêt et non des moindres de ne pas avoir d'abonnement, donc tu pourras toujours, si jamais ça t'arrive comme beaucoup de monde, te lasser un petit peu de ton jeu, faire un tour sur autre chose, revenir au bout d'un mois ou deux sans avoir besoin de lancer un abonnement et t'amuser, redécouvrir les nouvelles mages et tout. Donc écoute, David Jones, très content que tu te rejoignes sur Guild Wars 2, très bon MMO, très bon jeu, très bon choix. Après je mettrai une petite un petit holà sur le voleur qui pour moi est une des classes les plus pas difficiles à jouer mais assez frustrantes. Enfin moi j'ai du mal avec le voleur, je te le dis. Après chacun s'amuse comme il veut. Moi j'ai plus tendance à être un farmer à OE, donc le nécro me convient parfaitement. J'ai eu un peu de mal à monter le. Crashdown, peux-tu me montrer le chemin pour entrer SCP? Je suis au TP de point de passage magnatique. Alors Crashdown. Si ton point de passage, il faut que tu ailles vers le point qui s'appelle Volute Théurgique, tout au sud de la carte. Ici, tu as. Alors, j'essaie de te répondre en même temps. Ah, alors que le boss pop. Donc, je vais faire très rapidement. Voilà, tout au sud de la map. Ici, mon cher Crashdown, tu as. Au point de Volute Théurgique. J'arrive pas à dire. Théurgique, tu as une crevasse dans le sol qui permet d'aller dans les sous-sols. Donc les amis, c'est parti dans mon groupe. Le boss arrive dans 30 secondes. Donc, le méga destructeur de feu. Et ensuite, je vous dirai hein, lequel on fera prochainement. Pendant que le trou, me troll en me disant que le voleur, c'est la vie. Bougre d'âne. Et doit bon, si tu veux, mon cher Deezer, le trou. Je suis pas d'accord. Alors que je bois mon coca, ça s'entend, ça va être. Et voilà. Donc j'en profite pour vous rappeler, comme vous êtes nombreux et que le boss va commencer. Kazamania, c'est surtout c'est du YouTube. Donc
la semaine, des let's play, des aperçus, des tests sur Guild Wars 2, de mise à jour, etc. Donc chaîne YouTube, de rien Crashdown, tu as trouvé l'endroit pour entrer. Mais c'est aussi maintenant des lives aussi par-dessus. Donc live où je vous invite, vous aussi, à participer, c'est quand même plus sympa d'être là. Voilà, participer à plusieurs et de rigoler et de se faire des trucs avec les abonnés, c'est toujours cool. Il faut faire des destructeurs après les amis, oui. Il faut progression de la stabilisation, il faut stabiliser des trucs, donc il faut péter des mobs avant qu'ils... Il faut rester à AFK le temps qu'on est tellement bougre d'âne. On est tellement nombreux. David Jones, 444, il est aussi très beau ce jeu. Il est... Oui, il est beau. Il est beau et puis il est stable. Il est quand même assez bien fignolé techniquement parlant. C'est vrai que moi j'étais assez surpris les premières fois où je suis allé en MCM. Il y a des groupes entiers énormes de personnes qui se foutent sur la gueule d'avoir une stabilité qui est assez relative quand même. Pas trop de problème. Bon, ça rame, hein, ça lag sur certains endroits. C'est normal quand on a 300 personnes contre 300. Mais c'est sympa. David Jones, 4-4-4-4-4, tu vas continuer le 1 à 80. Est-ce que tu me parles de mon let's play actuel avec mon ingénieur? Si c'est le cas, mon ingénieur, j'ai commencé un let's play, j'ai tourné les 16 premiers épisodes, le 12e est en ligne. Et effectivement, je compte te monter jusqu'au niveau 80 en vidéo. Artsblog, ce qui me dit en jeu, ah, je suis sur le méga homo. Bah, il n'y a plus de place, donc je suis armé dans le groupe, mais passe à côté de nous, c'est toujours sympa. Charmaine, je suis pas sur la même map que toi, comme je suis pas dans ton groupe. Écoute, mon cher Charmaine, le prochain méga boss, on se rejoindra. Je pense qu'on sera tous sur la même map, c'est pas de raison, alors que la stabilisation est à 65%. Le boss vient bien top up. Donc je rappelle, je suis avec mon groupe de teigneux. Otash me dit qu'il laissera sa place après sa place dans le groupe pour un prochain, donc c'est maintenant qu'il faut mettre des plus 1 dans le canal de Twitch. Si vous êtes niveau 80, c'est quand même mieux. Si vous voulez faire des world boss avec nous, un ou deux, trois world boss, parce que j'ai pas de plus, mais je joue toute la nuit, une place se libère après ce boss, donc n'hésitez pas à me MP. Faudra me MP après ce boss et je vous invite. 75%. Il y a du monde, hein. Alors que vous voyez, hein, j'ai fait un petit tour de caméra. Le World Boss Group, c'est quand même du monde à chaque fois. Beaucoup d'anglais, au moins ça fait travailler l'anglais, c'est pas mal. Monsieur Orlon TV, plus 1. Donc monsieur Orlon TV. N'hésite pas à me MP quand le boss sera fini. Et je fais un dernier appel. Twitter, Facebook, c'est le moment de suivre. YouTube, la chaîne YouTube, le live. Et surtout la guild, c'est pas le Huron TV. Guild, vous n'êtes absolument pas obligé de représenter. C'est juste un point de rencontre, hein, entre abonnés, surtout pour faire, voilà, pour se grouper durant les lives, ce genre de choses. Alors, David Jones 444, à quoi ça sert de faire le grand boss? Tu es déjà niveau 80. Alors que le grand boss méga destructeur pour le pop. L'intérêt, mon cher David Jones, de faire des grand boss, c'est que les grand boss, quand tu les tues, ils lâchent un coffre. Et dans ces coffres, tu peux trouver. Non, mais c'est normal, hein, David Jones, c'est pas de problème. Si t'as des questions, c'est le moment, hein, profite-en. Je suis là pour te répondre, mes amis. Le jeu aussi, c'est que l'intérêt de faire des grand boss, c'est que tu vas ramasser des objets. Voilà, tu peux ramasser des armures ou des armes qui sont plus intéressantes que ce que tu as actuellement. Ou tout simplement, premièrement, tu vas ramasser des composants pour pouvoir faire tes crafts. Hein. Parce que Guild Wars 2 est un jeu qui demande à faire des crafts. Si tu veux avoir un personnage le mieux équipé possible au niveau 80, il faut que tu fabriques avec les métiers, armurier, etc. Des armes de très haut niveau qu'on appelle élevé,
qualité, je vais te montrer sur l'écran. Qualité élevée comme par exemple ton bâton. Donc couleur rose, et pour ça il faut des composants qui valent très cher, que tu peux ramasser sur les boss, que tu peux... Voilà, donc l'intérêt de faire la boss, de faire la boss, c'est ça. Un des intérêts, parce que tu peux très bien faire des boss juste pour ramasser un peu de ronds, pour faire autre chose. Tu peux très bien économiser tes ronds pour acheter autre chose. Voilà, méga destructeur à repop. Alors le méga destructeur, comme je disais tout à l'heure, il a plusieurs phases. Hein. Une phase pure DPS. On lui pète les dents. Ensuite il passe en invu. Et là, là il va passer en invu à 50%. Et il va se reprendre un petit groupe de mobs qu'il faut péter. Voilà, là il passe en invu. Il faut casser 3 ou 4 voilà, 3 harpies. Voilà. Qui sont indiqués sur l'écran. Boss très très simple, hein. Un petit peu long quand même. Je rappelle que qu'il faut pas oublier de rester copains quand même sur ce genre d'événement. C'est quand même sympa de faire une reste sur les gens pour éviter qu'ils attendent comme le lent ou qu'ils libèrent sur un point de pop. Surtout sur ce genre de map où vous libérez en surface et c'est super chiant de retrouver le sous-sol. Voilà, donc là on est sur la phase 2. C'est vraiment pas le world boss le plus compliqué, hein. Il est même très simple, hein. Il faut pas foncer dans la lave comme des glands. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas que la lave brûle. Il y a beaucoup de gens qui, surtout bah, les cacs, hein, les corps à corps, guerriers, gardiens qui sont pas patients, qui fonce sur le world boss directement en passant par la live et qui meurt au bout de 5 secondes. Et là c'est fini, on peut même plus les raise, hein, c'est pas possible. Donc je vais faire un petit check, le prochain boss sera le BMO des hommes, on va le rater, mais ça sera le destructeur. Donc là on est sur le méga destructeur. Donc c'est l'élème de feu. Le méga destructeur de feu du mont Malstrom. Et ensuite, pour mon groupe de farm et pour tous les autres qui nous suivent et qui veulent nous suivre durant le live en jeu, ça sera le destructeur. Et les destructeurs, c'est pas la même map du tout. Le destructeur, ça se passera au step de la street flamboyante, pardon. C'est dans le territoire des chars, tout en bas à droite. Niveau 50. Alors que j'ai des décès sur ma petite corniche. On va res les copains. Le destructeur est à 25%, il va refaire une invue, ou c'était la dernière, je ne sais plus s'il fait une troisième invue. Ça n'a pas l'air, après ça tombe de mon côté. Alors le live précédent, j'avais fait une paire d'arènes classée avec 4 PK. Qui c'est que j'avais, c'était très sympa, on était à la fin du live, on était 4 ou 5. On avait bien rigolé, on avait gagné aussi pas mal de parties. Donc c'est pareil, hein. Ce soir c'est du farm de World Boss, mais il y aura un peu de tout, bien sûr durant le live, hein. Farm de World Boss, arène, PVP, CM, farm standard, vous êtes conviés, il n'y a pas de soucis, et le World Boss vient de tomber, on n'oublie pas de récupérer le walk-off, hop, j'ai eu un bâton en jaune que je pourrais essayer d'aise pour avoir des ectos et polyères jaunes, ok, je peux aller TP, touche. Map, et là on part pour le destructeur qui se trouve dans les steppes de la street flamboyante, sur les coins tout en bas à droite de la zone, enfin tout à droite, 40-50. Essaye ici le point de passage des basses terres calcinées, et le boss pop dans 6 minutes 30. C'est le moment de faire l'échange de groupe. C'est le moment de faire des remplacements dans le groupe. Je sais qu'il y en a qui veulent quitter. Otash, il me paraît que tu veux quitter le groupe. Donc Otash, bye, pas de soucis, à la prochaine Otash. Amuse-toi bien. C'est le moment de me MP en jeu. Je suis navré, vous êtes nombreux à vouloir grouper. Donc le premier qui me MP en jeu, je le groupe. Gazamania Alexa. Hop, on a tout le monde. Ouais, tout le monde est là, très bien. Donc il reste une place. Je suis désolé de pas pouvoir
combler tout le monde, on n'a pas encore l'option raid hein, sur ce jeu. Si je pouvais, je mettrais 20 personnes et on irait tous ensemble. Razer TV, j'ai cassé ma RA. RA. T'arrives plus à jouer. Le trou, ah oui, un peu de PVP, c'est prévu. Ah, Crashdown est là. Voilà, Crashdown a pris la place. Bienvenue, Crashdown, bienvenue dans le groupe. Désolé pour les autres. Ça sera la prochaine fois, on fait ce qu'on peut. Hein. J'en profite, c'est maintenant ou jamais. MP moi pour une invite de guild, même si vous ne représentez pas, c'est pas un problème. Là, on a récupéré 5 ou 6 personnes. Le but étant de récupérer plein de monde, même sans représenter, pour pouvoir. Moi, comme ça, j'ai une liste avec vous hein, devant les yeux. C'est beaucoup plus simple durant les lives. Hein. Donc, ceux qui sont pas encore guildés, c'est le moment. Donc, le trou, tu me demandais, est-ce que un peu de PVP? C'est prévu, bien sûr que oui, mon cher Le Trou, mais il me semble que t'étais là aussi, Le Trou, durant notre séance arène d'hier dimanche. Kapeke, à plus tard, je dois go taf demain et me lever à 6h. Bon, écoute, bon courage, Kapeke. Donc, du coup, Kapeke va laisser sa place dans le groupe. Voilà, donc je fais une relance, c'est le moment de MP pour prendre une place. Alors que je bois mon coca, ça fait. Il est temps de provoquer de véritables dégâts. Et bienvenue à Crashdown dans le groupe. Donc Kapeke, si tu déco maintenant, c'est le moment de quitter le groupe, mon cher ami, s'il te plaît, pour laisser la place à quelqu'un d'autre. Est-ce que je. Live demain, je ne sais pas du tout. Franchement, je ne sais pas. Les lives, c'est pas encore, j'ai pas encore de planning évident, mon cher Kapeke. Voilà, c'est suivant ma fatigue du boulot, etc. Et c'est Oron qui a pris la place dans le groupe. Oron de Trelia, bienvenue à toi, mon cher Oron, dans le groupe. Donc on va se faire le live encore pendant une petite demi-heure, les amis. Donc là, on a pris le destructeur qui pop dans 3 minutes. Step de la strife flamboyante. Le groupe est complet chez nous. Hein, 5, hein, c'est des petits groupes. N'hésitez pas à rejoindre quand même sur la map si vous voulez farmer avec nous. On enchaînera par le gouffre gelé. Le gouffre gelé, c'est niveau 10. Hein, donc tout le monde peut venir chez les normes pour se faire le boss là-bas. Et on finira. Voilà, la soirée par Ulgot le Monir, c'est le boss centaure. Voilà. Kapeke, à plus, peut-être en PVP pour la prochaine fois. Pas de soucis, mon cher Kapeke, bonne soirée. Bon courage pour le taf, 6h du mat, c'est beau. Donc oui, hein, il y a aussi des soirées PVP, il y a de tout sur cette chaîne. Hier soir sur un live un petit peu improvisé, on s'est fait une soirée PVP, c'était très cool, très sympa, entre poteaux. Il y a eu, je trouve, pas mal de victoires en plus, on a fait un bon ratio. Tout au long de la soirée, le ratio était plutôt bon, il y a peut-être eu quelque chose comme 8 ou 10 matchs et 2 ou 3 défaites, donc sur du classé, c'est très bien. Très bien, alors que nous sommes actuellement 16 et nous avons gagné sur la chaîne 7 abonnés. Alors c'est pas évident parce qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui me suivent, qui m'ont suivi à l'époque sur les premières vidéos de Wars 2 et qui ne sont pas encore au courant que je suis encore de retour dans la course de Wars 2 en vidéo YouTube et Twitch. Donc il faut essayer de rameuter un peu ces gens là. Je leur rappelle que je ne suis pas mort. Il y a encore des Français qui jouent à Guild Wars 2 et qui veulent faire participer un peu les gens. Fédérer une petite communauté puis qu'on rigole tous ensemble. 10h, si tu veux PVP un de ces 4, je suis là. Même si t'es pas en live, c'est noté, mon cher 10h. De toute façon, t'es en guild. Il n'y a pas de problème.
Voilà, on va se faire encore 3 boss hein, ce soir. Le destructeur dans 50 secondes, le gouffre gelé dans 15 minutes et Ugot le maudire dans 30 minutes. Et ensuite, on se dira bonne nuit les copains. Parce que bon, après il fait un peu tard. Hein. Il faut continuer la semaine en forme pour aller bosser. Et bien sûr, essayer de faire des lives souvent, c'est toujours sympa. Et je sais de voir un petit peu la gueule de mes collègues. Alors on va commencer par 10h. L'ordre des lames relique. Mais oui, 10h j'ai déjà vu effectivement en arène hier. Une gonzesse tout en bleu avec une petite forme dans les cheveux. Mon côté macho me dirait de siffler cette jeune demoiselle, mais je vais me calmer. Nous avons Crashdown en mode guerrier plaqueux beau gosse. Très sympa avec l'épée qui fait clic clic. Nous avons Eva Drew alias Clémence Nio avec un Azura mystérieux avec j'aime beaucoup son merde, j'arrive pas à te cibler bien. Voilà ton visage qui est transformé par je sais pas quoi. Ça va être un item qui fait ça, c'est ta capuche qui te fait une tête comme ça d'Halloween, c'est assez sympa, hein, j'aime bien. Et on finit par Oron de Trelia, pareil Azura, qui est beaucoup plus dans le style lumineux, beaucoup moins dark que Clémence, que alias Eva Dulu. Et ouais, très sympa aussi, vous êtes tous beaux. Un beau groupe de vainqueurs, de winners. Alors, Morlon TV, j'ai connu le début de ta chaîne YouTube. J'avoue qu'à un moment, j'ai perdu de vue tes vidéos. Bah, c'est tout à fait normal, Morlon. Puis il n'y a pas eu que du Guild Wars 2 non plus sur la chaîne. Il y a eu plein de choses. Alors que Evadou me link son capuchon de fantôme chevaleresse de fantassin. C'est ça le skin. J'ai envie d'essayer sur moi. Aperçu. Oui, sympa. Très sympa, ça. Alors qu'il y en a qui joue une mélodie que je connais. Ah, c'est Linkin Park ça. Mon dieu. Razer TV, tu arrêtes vers quelle heure? Bah écoute, comme je l'ai dit, là il est 23h. On a encore des Wars programmés jusqu'à 23h30. Donc je pense qu'un petit peu avant minuit, le live se terminera. Alors qu'on a un type qui nous fait du Linkin Park en live et Charmaine qui me demande peux-tu me link le TP. J'imagine que c'est pour rejoindre. Hop, voilà, un petit link, point de passage des bastards calcinés. Destructeur arrive dans 5 minutes 10, les poteaux. Alors oui, donc j'ai une Clémence Nio alias Eva Dulu, j'avais une petite question. Est-ce que tu me suivais aussi sur Arcade ou pas? Voilà. Parce que j'ai fait une paire de live aussi à l'époque sur Arcade. Badéras FR, je déco. Plus les gars. Plus Badéras. Passe une bonne nuit. Repose-toi bien. Sois en forme pour la suite des événements. Moi je vous avoue, j'attends avec impatience l'extension. Hein. Earth of Thorns, alors que j'ai Crashdown et Deezer qui dansent comme des neuneux. Hop. Je vais boire un petit coca. Pour faire un petit tour des guildes, nous avons Oron de Trelia qui représente les touristes, une guilde que je connais, hein, de moins de nom. Et va de Fall in Angels, je ne connais point. Crashdown Leonard Guild, je ne connais pas non plus. Et Deezers, l'ordre de l'âme unique. Et Adrou, alors j'ai dû peut-être en regarder quelques-uns sur Arcade, mais comme j'y jouais pas, bah, je me suis un peu moins intéressé. Mais il n'y a pas de problème, Clémence. Il n'y a pas de soucis. Je te confonds avec une autre personne
une jeune fille qui nous avait suivi durant mes lives sur Arcade et qui était dans ma guide d'Arcade, qui était très sympa aussi, mais j'ai perdu le fil, tant pis. Circe 56, vous êtes où? Bah mon cher Circe, regarde, je te montre la map, nous sommes sur les basses, les steppes de la Strifon, voyant point de passage des basses terres calcinées. Voilà, tout à l'est de ta map. Nous attendons le Power Boss Destructeur qui arrive dans 3 minutes. Donc, si t'es venu en rejoindre, c'est le moment. David Jones 444, c'est quoi l'extension? Alors, David Jones 444, Guild Wars 2, tu es nouveau sur Guild Wars 2, ça j'ai compris. Sache que Guild Wars 2 est sorti déjà depuis presque 3 ans, en août 2012. Et nous allons avoir une extension qui s'appelle Earth of Thorns, donc c'est un nom anglais qui veut dire en gros le cœur des ronces. Donc l'extension amènera une nouvelle classe jouable, le Revenant, de nouvelles compétences pour tes personnages actuels, une des nouvelles zones d'exploration, un nouveau mode PVP, le mode Bastion que j'attends avec grande impatience. Une nouvelle carte MCM, enfin beaucoup de nouveautés, et donc c'est une grosse annonce qui a été faite il y a peut-être 3 semaines, un mois, hein. Nous, joueurs de Guild Wars 2, sommes assez, enfin moi du moins, hein, je parle pour moi, assez excités à l'idée de pouvoir tester cette chose. Le trou, comme des neuneux, tu fais quoi après Slash Dance? Oui, oui le trou, je suis un peu comme ça, je suis un peu à faire, un peu comme tout le monde. Plus c'est ridicule, plus je m'amuse. Le World Boss, le Destructeur, arrive dans 1 minute 38. Après, nous partirons sur le gouffre gelé dans 9 minutes, les copains, après celui-là. Et on finira par le Centaure. David Jones, 44444, nouvelle classe, nice. Oui, nouvelle classe. Alors que le Méga Destructeur arrive. Voilà, donc je vais un peu fermer ma bouche, arrêter de répondre aux questions. Pareil, un boss plus que simple, hein, celui-là, c'est vraiment du DPS groupe. C'est un espèce de gros dragon, un petit peu... Il est tellement grand que c'est pas évident. Bon. Je vais essayer de faire un... Voilà, je vais essayer de quitter un peu mon couple, juste pour faire un tour d'horizon à la caméra, pour vous montrer la gueule du dragon. Le Destructeur. Très très beau. Je vais me reculer même beaucoup parce que sinon j'aurai jamais la place pour l'avoir sur mon écran. Voilà. Un gros dragon. Alors on évite de rester devant lui comme là je fais, sinon on va se prendre des souffles de feu et je vais me faire cramer. Donc très grand dragon qui me fait penser, alors, pour ceux qui ont joué à l'époque à WoW, il me semble que c'est WoW Cataclysm dans les niveaux 85-90. Si je ne dis pas de bêtises, il y avait une espèce de zone. Passer un peu sous terre avec des mines, etc. Et on avait une paire de boss draconiques, voilà, tout en ressemblant à des gros minéraux. Mais là, je pars un peu loin dans les comparaisons, alors qu'il est à 65%, très facile, hein, c'est vraiment du DPS pur et dur. Alors que j'ai David Jones, 4-4, nouvelle classe, nice, oui, donc nouvelle classe, effectivement, nouvelle classe, le Revenant qui sera normalement une classe. Une classe armure lourde qui aura la capacité d'invoquer des esprits ou des morts vivants, enfin quelque chose d'assez sympa. Voilà, une espèce de mix entre le nécro et le guerrier. Faudra tester ça, mais voilà, la plupart des gens se préparent à monter leur Revenant. En cumulant en banque des grimoires d'expérience, ce genre de choses, hein. Je rappelle que les grimoires d'expérience, ce sont des récompenses que vous pouvez stocker en banque qui vous permettent de vous utiliser, de gagner de l'XP gratuitement. Donc si vous en avez assez, vous pouvez créer un perso niveau 1, les consommer et monter un perso comme ça. Donc le Destructeur est à 50%. Donc je vais faire un petit tour de caméra maintenant dans l'autre sens pour voir l'arrière. L'arrière du boss, vous voyez, il est parti.
Il est en train de s'envoler et il va me cramer la gueule. Donc je vais vite rebouger vers mes collègues pour qu'ils puissent me raiser au cas où. Ah, c'est pas évident de tenir la caméra. Alors que j'ai Charmaine qui me demande. En jeu, tu vas sur quoi pour regarder les timers des boss? Alors, les sites timers de boss, tu en as pléthore sur le web. Sinon, je vais sur celui qui est le plus utilisé, guildwarsstamp.com. Donc, guildwarsstamp.com, qui est très simple d'utilisation. Qui te donne les liens, les TP, tout ça. Asblog me demande, hey Kaza, peux-tu me groupe juste deux secondes? Pas la même carte. Désolé mon cher Asblock, je vais couper full le prochain boss dans 2 minutes. Hop, et le méga destructeur, pardon, va tomber. Alors, le trou perso, j'ai 120 bouquins de level dès l'arrivée du revenant. Donc le trou, il est déjà paré. Hein. Il va créer son revenant en même pas 30 secondes. Il sera niveau 80, son bordel. Au moins, il est entrepris, il est prévoyant. Et le destructeur tombe, voilà, donc on lutte le boss, on lutte le coffre bonus, le petit jaune par-dessus. Et là les amis, on TP le gouffre gelé, donc le gouffre gelé. Evadlou, je vais quitter le groupe, je vais bientôt déco, quelqu'un pourra venir à ma place, pas de soucis, bisous Eva. Donc il reste une place dans le groupe, le premier qui me MP, je l'invite, tout simplement, alors que nous allons ici, le gouffre gelé, donc c'est les contreforts du voyageur, pour l'avant-dernier boss de cette soirée, point de passage de la colonie de Krenak. Le boss arrive dans 4 minutes 10. Une place dans le groupe se libère. Hop, il y en a qui m'a MP. Tout de suite, c'est sympa la bataille, vous êtes beaucoup MEMP. Et c'est Black Horse qui a chopé le MP. Alors Black Horse, si je me trompe là, c'est Black Nounours. Et Black Nounours, si je me trompe pas, c'est Niku. Ou alors je me trompe. Est-ce que j'ai Niku chez moi? Ou c'est pas Niku chez moi? Il va me répondre. Alors, Charmaine, comment on te rejoint sans que tu invites? Bah écoute, tu peux pas vraiment me rejoindre dans mon groupe, mais si tu suis le Twitch, tu peux voir le live, tu peux voir un peu là où je suis. Et normalement, si tu arrives avant que tout le monde soit là, tu devrais avoir de la place sur le serveur. Charmaine, ça fait 2 fois que je te demande pour me rejoindre, je me fais griller. Bah oui, je suis désolé, mon cher Charmaine, mais il y a tellement de monde qui me MP, je sais pas tout faire. Black Nours, c'est pas Niku, non, c'est quelqu'un d'autre, je mélange un petit peu. Bah Charmaine, je suis désolé, mais je ne peux pas te faire venir comme ça, sans place dans le groupe, et on est full. Capitaine Usopp, je sais pas comment ça marche Twitch, je te regarde seulement sur YouTube. Bah écoute, Twitch, c'est comme YouTube, tu as un lien, tu as juste à cliquer dessus, et tu as le live. Le trou stuff berserk élevé, tout chaud, tout frais. C'est beau. Tout prévu. Monsieur Holland TV, moi j'ai 25 par chaud de up, level 20. Je l'ai la flemme de créer 25 perso, tu m'étonnes. Alors, il y en a qui a dégroupé Black Course qui laisse sa place, donc j'ai invité Charmaine qui demande depuis longtemps invité dans le groupe. Voilà. Non, c'est bon, Crash Zone. On a une place qui s'est libérée. Charmaine, faut que tu répondes rapidement avant qu'il te fasse griller. Voilà, c'est bon. Charmaine est là. Il va pouvoir nous rejoindre. Donc, avant-dernier boss de cette soirée. Le gouffre gelé. Dans 1 minute 30. Bienvenue à Psylo57 et Black Nounours sur le Twitch.
Je profite de ce petit temps mort pour faire un petit rappel des liens importants. Le Facebook, le Twitter, la chaîne YouTube, le blog Casamania.net avec les guildes Guild Wars 2 et autres qui ont fait... voilà. Qui ont permis de faire connaître des astuces assez sympas. La page de dons, bien évidemment, etc., etc. Alors que je suis en groupe avec toujours Deezers, qui nous a pas quittés. Crashdon, pareil, qui est là. Oron de Trelia, pareil, tout à l'heure, il était là aussi sur le destructeur. Et le petit nouveau de ce groupe, c'est Charmaine. Charmaine qui est grand, qui est fort, qui est puissant et qui sent bon. Le Kit Kat. Et le prochain boss arrive dans... Enfin, le pré-lancement arrive dans 10 secondes, les amis, on se prépare. Donc, boss très sympa que j'aimais beaucoup faire à l'époque avec mon gardien, où il était bas niveau, 20-30. Va falloir escorter Brogon et Rudy jusqu'à la... Jusqu'au gouffre gelé. On va faire ça. Je vois la cible. Le trou, j'attends tellement le revenant PVP. J'attends tellement le revenant tout court, mon cher Le Trou. Après, j'espère beaucoup, j'espère vraiment que tous nos copains d'ArenaNet vont continuer sur cette lancée et nous sortir des... des extensions de manière régulière et un peu plus rapide. Un peu là, comme ils avaient fait sur Guild Wars 1, Kanta, etc. rapidement. Qu'on puisse avoir du contenu neuf un peu plus souvent, parce que c'est vrai que là ça va faire 3 ans. Donc bon, on a eu la version vanilla de Guild Wars 2 qui a duré 3 ans. Première extension qui arrive. Il faudra pas qu'il y ait 3 ans entre chaque extension, ça risque d'être un petit peu long. Puissance et gloire. Le trou. Lol, le mec il s'appelle Charmaine, c'est un gros char. Un gros char bien dégueulasse. Bon, qu'est-ce qu'il faut, Brogun, érudit. J'apprends chaque jour de nouvelles choses. Oui, faut déjà péter les trolls. C'est un petit peu long. Les grôles, pardon. C'est pas pareil, les trolls et les grôles. C'est bon, hop. Brogun, l'érudit, va se lancer. Ah, bah tiens, Arsblog est là, devant nous. Il est sur le Twitch en même temps que nous. Il est pas dans notre groupe parce qu'il n'y a plus de place, mais il est là aussi. Bienvenue à toi, mon cher Arsblog, les ailes grises. Ça pourrait tourner au vinaigre. Vous devriez aller chercher... Razer TV, c'est pas moche les chars, c'est les plus beaux. C'est vrai que c'est une des races bestiales que j'aime bien dans les mémos. Pourtant, il y a des races bien moches, comme un peu le... Bah, tout simplement le troll de WoW, par exemple, je trouve ça assez moche et ridicule. Le gnome aussi. Bon, après, dans Guild Wars 2, c'est l'Azura qui est quand même une espèce de sale bête fourbe dégueulasse, mais bon. Voilà, donc le gouffre gelé, avant-dernier boss de cette soirée. Escorte de Brugon l'érudit. Très simple, surtout qu'on est nombreux. Le trou, les plus belles, c'est les humaines. Ça, c'est sûr. Tiens, regarde la preuve. Hop. Hop là. Brugon l'érudit. Oh là, n'a pas encore la date hein, pour la sortie. Je reviens à l'extension, n'a pas encore de date pour la sortie de l'extension. Ni de prix, hein, parce que bon, bah, elle sera payante, hein, ça c'est sûr. Donc patience. Patience, patience. Oron de Trelia, c'est pas dégueulasse les Azura. Je suis désolé, mais on vient comme des espèces de Grimmins. Croisé avec des pochiches, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus. Ouais, voilà. Deezer qui rajoute, c'est horrible, effectivement. Donc voilà, le boss va se lancer. On pète le dragon, le totem, tout simplement. Voilà, premier event, karma gratos. Ensuite vont arriver des PNJ Elite. Espèce de garde rapproché du boss qui arrive. Le boss, il est là, le chef chaman. Svanir champion qui est invulnérable, bien évidemment. On sait que pour ce début d'event,
Voilà, donc il y a des PNJ qui arrivent à gauche, à droite. On va les claquer en même pas 3 secondes. Ça va être vite à bien fait. Ensuite, des portails vont s'ouvrir. Voilà, sur ma gauche. Il suffit de cramer les portails. Et une fois les portails cramés, le boss ne sera plus invincible et on pourra l'enchaîner. Voilà, boss tout aussi facile, hein, le boss du gouffre gelé. Alors, tout en général, les warm boss de Guild Wars 2 sont assez easy. La seule difficulté, c'est d'avoir du monde, hein, tout simplement. C'est sûr que quand vous avez personne, c'est compliqué, mais il y a toujours du monde sur Guild Wars 2. La seule difficulté de ce warm boss, c'est que il vous fait pas des dégâts directs, mais il y a des espèces de. Voilà, de tornades qui traversent la map et qui vous font très mal. Vous les prenez en pleine dent. Alors que j'ai un message de la Russe, un jeu qui me dit salut Kazan, je te suis depuis un long moment sur YouTube et le let's play sur Gaozo m'a redonné envie de jouer. Pourrais-tu m'inviter dans ta guilde? La guilde, pas de soucis, c'est la guilde à tout le monde. Bienvenue à toi. Alors que Oron de Trelia revient sur la discussion des Azura. On est jaloux, c'est tout. Non, oh non, on n'est pas jaloux de Nazura, c'est vraiment très moche. Boss à 45%. Easy. À mes pieds, on va le raise. Pourtant on raise les copains hein, sur ce genre d'event hein. Que la force de Guild Wars 2 c'est d'être en nombre pour tes boss et qu'il faut raise des gens. La clé du succès dans le jeu c'est le raise hein. Même en PVP hein, 55, dès que vous pouvez mettre sur pied un copain hein, sur un duel, c'est plutôt rassuré. Post la jeu perso, alors que le chef chaman va tomber, on partira sur le dernier boss, le centaure. Hop, voilà. Un coffre bonus. On s'écarte un peu. Direction le dernier boss de cette soirée. Ulgoth le Modnir, Interland d'Arati. Donc Interland d'Arati, c'est le nord de la map. L'ouest, le nord-ouest, oui, le nord-ouest. Zone 35-45, tout en haut à droite, point de passage du sabot fendu, allons-y. Finissons la soirée là-dessus, les amis. Et Larousse qui me dit, en jeu, merci beaucoup pour l'invitation, continue comme ça, il n'y a pas de souci, ma chère Larousse. Alors, je vais faire un petit topo sur ce dernier boss. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai déjà link le TP. Ce boss est aussi très simple. Il demande juste beaucoup de pre-event. Donc, en haut à droite de la zone de l'Interland de Arati, point de passage du sabot fendu, vous avez ici toute une... J'ai fait un... sur la map des dessins. Pas mal de campements de centaures, donc les pré-events vont se passer là. Il va falloir prendre des campements, défendre des campements jusqu'à escorter un humain ici. Voilà, et c'est là que se passera le boss, le combat contre le boss. Donc il y a un petit temps d'attente. Voilà, le temps de faire les pré-events, c'est toujours ce qui est un petit peu long sur les one boss. En même temps, c'est normal, on peut pas enchaîner non plus à une vitesse grand V, ça serait un peu triste. J'en profiter pour ouvrir mes coffres, voir si j'ai pas eu des trucs sympas. Alors que le trou nous dit que j'ai pas eu de chance sur les loots ce soir. Ah, pas de la chance tout le temps. Hein. Alors, deux trousses de graines de variétés anciennes. Rien de bien spécial. La trousse de graines de variétés anciennes. Parchemin de connaissance. Un coffre du héros déchu. Ouais, j'ai un jaune dedans. Bon, il y aura quand même moyen
récupérer quelques ectos pour la soirée, c'est quand même sympa. Coffre-fort gelé. Hop, coffre-fort gelé. Oui, ça fera quand même quelques gold quand même pour la soirée. J'ai qu'à juste une petite minute le temps de faire une petite pissouille, hein. Chose qui arrive même au meilleur. Donc les amis, à tout de suite, je laisse mes collègues du groupe spammer le chat à ma place. À tout de suite. Heureux. Bonne chose de fait. J'ai eu des remarques très constructives sur le chat, comme je les attendais. Charmaine, seul truc chiant avec les chars, c'est la vitesse. C'est la vitesse, ça va à 2 à l'heure. Il court comme des chats et à cause de ses griffes, il ralentit. Et se plantant dans le sol. Auron, tu fais la taille de mon bras. Ah, ça c'est sûr que les Azura, ça peut être bien gros. Nous attendons donc le Moldir. Donc le boss centaure qui devrait pop dans l'équivalent de 1 minute 31. Enfin non, qui devrait pas pop dans 1 minute 31, mais il y aura déjà les prevents. Donc ça va être fort. Et ça sera la clôture de cette soirée folle. Lion. Arsblock, juste deux petites warbands en passant. Merci pour sincèrement pour tout ce que tu fais, Kaza. A plus, mais merci à toi, Arsblock. Et à la prochaine, que ça soit sur YouTube ou en live. Vous êtes tous les bienvenus. On est entre joueurs de Guild Wars 2, entre copains, y a pas de souci. Quelle puissance! Ah, on commence à avoir des events qui se lancent là. Qu'est-ce qu'on a là? Non, là c'est trop loin, c'est pas encore ça. On a un truc, c'est pas ça. Ça c'est une escorte à la con. Donc normalement les pré-event du centaure c'est déjà capturer les camps qui seront devant moi.
Monsieur le All on TV, ça passe trop vite quand on s'amuse. Nabi. Ah, si on pouvait, hein. Ça passerait moins vite, on ferait plus de choses. Shentaz, salut Kaz, bon jeu et bon farm. Je vais me permettre de t'envoyer un message dans ta boîte. Car j'ai une question et je voudrais pas te déranger si tu tournes. Donc, mon cher Shentaz, vas-y, laisse-moi un message. Je t'y répondrai rapidement, si possible. Je rappelle que demain sortira la suite du Let's Play Casamania Live. J'en perds la notion du temps. Casamania. Le retour sur Guild Wars 2, objectif 80. Sortira demain l'épisode que je sais pas de bêtises. Hein. Il me semble que c'est le 13 hein, demain. Hop, on va afficher ça sur YouTube. Épisode 13 demain, voilà. Après demain le 14, le 15, le 16, etc. Continue sur la lancée avec l'ingénieur qui, très drôle, s'appelle Casamania Revenant. Ah, alors que, ça y est, alors que le Revenant est la future classe qui... Future classe pour l'extension de Guild Wars 2. J'ai pas fait exprès, hein. J'avais appelé mon perso Revenant parce que je trouvais ça très drôle. Alors que j'ai Deezer à côté de moi qui a mis son tag de commandant, donc voilà, les pré-events se lancent, donc suivez le tag violet, c'est Deezer. Voilà, il faut défendre des campements, donc il y a plein de sang-corps qui arrivent, c'est l'occasion de loot du sac de provisions, du sac qui se vend plutôt bien à HV, à l'unité, ils se vendent, on va voir ça. Hop, 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 ils se vendent, ouais, bon, 1,78, bon, c'est pas encore ça, mais si vous en voulez 50, hein, ça commence à poser. Sortez vos AOE, venez faire les prevent, les copains. Alors qu'on a Charmaine qui arrête pas de taquiner depuis tout à l'heure Oron qui est un Azura, donc un char contre un Azura qui dit que même couché il est toujours en cuit. C'est vrai que les Azuras sont vraiment des tailles ridicules. Mais bon, on fait avec. Alors, est-ce que c'est les Azuras qui sont pour une taille ridicule ou est-ce que c'est les chars qui sont trop grands? Alors que là il y a un gros paquet mob qui arrive. Raison de farmer, raison de faire des sous. Ah merde, plus d'AO dispo. J'ai rien touché. Alors que j'ai dû recevoir le message de Shentaz par message qui me demande. Shentaz objet élevé, salut. Alors, je voudrais savoir pourquoi dans tes vidéos tu dis vouloir faire des élevés avant la nouvelle extension. Attends, je cherche Shentaz, je suis en train de farmer. Y a-t-il quelque chose de particulier à l'extension? Car j'ai pourtant lu ce qui t'est dit dessus, mais j'ai pas pu rater quelque chose d'avance, merci. Alors, non, Shentaz. Attends, mon cher Shentaz. Je compte faire de l'élevé. Parce que tout simplement l'élevé est pour le moment la qualité la plus optimale. Sauf si tu as du légendaire qui coûte une blinde, une fortune. Il est temps de provoquer de véritables dégâts. Et ça le restera avec l'extension parce qu'ils vont pas ajouter de nouvelles catégories d'armure. D'armes, donc si t'es déjà en élevé, t'es déjà opérationnel à 100% pour la suite des événements, et tout simplement parce que moi je n'ai toujours pas de stuff élevé et qu'il faut bien passer par là à un moment donné. Il faut se donner des buts dans le jeu. Hein. Moi j'ai pas de stuff élevé, c'est mon but de me faire du stuff élevé, c'est tout, c'est juste ça, c'est un but personnel plus que. Qu'un but tactique, on va dire, avant l'extension. Donc voilà. Le stuff élevé restera le stuff le plus fort, on va dire, dans le jeu pour le moment. Même avec l'extension. Donc, tu peux faire ton stuff élevé avant l'extension. Tu seras prêt, tu seras opérationnel pour la suite des événements.
Mais même si tu n'as pas l'envie de le faire parce que ça coûte trop cher ou c'est trop long, le rester en exotique ça ira très bien aussi. Hein. C'est pas une grosse différence. Donc je t'ai répondu en vidéo, mais je vais pas me te répondre par écrit parce que je ne suis pas sûr, mon cher Shentas, que tu sois sur le live. Donc les collègues, je vous laisse farmer des packs de centaures, j'ai encore 3 minutes de farm. Je vais répondre vite fait à Shentas, au moins à l'écrit. Il va falloir que je... toute la difficulté va être de faire une synthèse de tout ce que je viens de raconter pendant 10 minutes tout seul en sur mon chat, sur mon live. Donc, mon cher Shentas, je suis rapide comme le vent. J'ai la flemme. Tout simplement, mon cher Shentas, tout simplement le stuff élevé reste le meilleur stuff disponible. Dispo. Point. Il le sera toujours lors de l'extension. N'ayant toujours pas moi-même de stuff élevé, il est temps pour moi. Ah, je fais ça bien. Il est temps pour moi de me faire ce stuff pour être opérationnel 100% lors de la sortie de l'extension. Et je rajouterai 2 points de détails sur la rediffusion du live numéro 3. Donc cette rediffusion sera numéro 3 où je te réponds en vidéo. Pas facile hein, ce métier. Voilà. Et on voyait. Alors qu'on est toujours aux préphases, hein, pré-lancement du boss, le centaure. On défend les camps. Et pendant ce temps-là, on a toujours Charmaine et Auron qui se narguent entre le Tiar et l'Azura. Pendant que nous, les pauvres diables, on est en train de se faire les pré-events. Le truc qui me dit en monologue. Oui, un petit peu en monologue, effectivement. C'est un petit peu la difficulté quand tu as une partie des gens qui te suivent en direct sur le live, une petite partie qui te suivent en direct sur le jeu, une autre partie qui te suivent en diffusion sur YouTube. Ça rend vite un petit peu skido sur les bords en avec. N'hésitez pas à laisser un petit message chat Twitch, je ne mords pas. Je rappelle une dernière fois, une avant-dernière fois, hein, je suis gourmand, que la guilde Small, You Are On TV est une guilde qui permet tout simplement de rassembler les abonnés, ceux qui veulent participer au live, ceux qui veulent chatter avec moi. Aucune obligation de représenter la guilde, c'est juste un canal de discussion, on va dire. Alors on a défendu le point. Il reste encore un ou deux. Maintenant il me semble qu'il va falloir qu'on capture des camps de centaures. Alors Shentas qui me répond, no problème, vers la fin de la rediffusion lors du champion centaure. Voilà, donc un petit message à Shentas qui regardera peut-être les explications en rediff, parce qu'il est vrai que j'ai un petit peu la flemme d'expliquer tout mon monologue une troisième fois. Monsieur Lone TV, non, c'est pas un monologue, on l'écoute. Mais oui. Ah non, on est déjà à l'étape de escorter le capitaine Edwards. Donc on approche hein, du but du capitaine Edwards qui se trouve derrière nous. Parce que là on trace comme des glands, mais il est derrière. Le capitaine Edwards qui est un humain.
avec une tête de nœud, qui fait son beau gosse alors qu'on est déjà 300 à attendre pour farmer le boss depuis 20 minutes, qui se traîne la patte. Donc c'est un PNJ, voilà, qu'il va falloir escorter. Je vois la cible. Oh, putain, en plus il ressemble à rien. Il est là, un séraphin, on va l'escorter. Une fois escorté, on va rentrer dans la... On va passer à la herse, et là, on va se pouvoir se coltiner le boss Molgir. Molgir, j'arrive pas à dire, comment on dit. Le boss Molgir, j'arrive pas à dire. Avec Monir. Bon. Blackos qui me dit en jeu. Je veux bien voir l'invite pour la guilde, y a pas de problème, elle est faite pour ça. Alors qu'ici, hop, là où vous êtes les copains, où vous êtes à FK, il y a un boss champion qui va pop. Voilà, je ping la map, hein. Ouvrez les yeux, ici il y a un boss champion qui va pop, qui va durer même pas 3 secondes, donc il faut vite le tag si vous voulez avoir un loot gratos de champion. Là il y a tout le monde, hop, ici. Il est par là, les copains, hop, le voilà. Je vais essayer. LSKL. Salutations Kazam, grand profondeur du grand poisson rouge pané. C'est tout à fait ça. Bienvenue à toi, LSKL. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne Twitch. Enlève ton pantalon, mets-toi à l'aise, il n'y a pas de soucis. On est entre copains. Hop, un petit loot. Il fait. Donc tu arrives un petit peu tard, mais mieux vaut tard que jamais. C'est la, ça va être la fin de ce live avec le dernier world boss de cette soirée, le champion Monir Centaure, avec mon groupe de d'abonnés et compagnons Deezers, Crashdown, Auron de Trelia et Charmen. Voilà. Est-ce qu'elle, je suis déjà à la chaîne. Écoute, c'est parfait. Prochaine étape, la page de don. Pour payer un nouveau casque parce que le gars il est plein de scotch. Charmaine, par contre, Kaza, faut arrêter de faire manger du chocolat à ton perso qu'elle est bien dodue ton humaine. Non. Déjà, c'est où ta norme? Non, non. Mon cher Charmaine, ce n'est pas une norme. C'est une humaine. Les normes ressemblent à des bonhommes. Les normes sont. Les femelles normes sont taillées comme. Comme l'ormanodou, donc elles font un petit peu peur. Mon humaine est très fine, très belle, très gracieuse. Je ne te permets pas. Tout simplement. Alors que vous voyez que le boss Ulgot, le Molnir, est en haut, c'est son espèce de colline. Avec. Voilà, avec un bouclier, donc il est invincible pour le moment. Et il va faire pop, voilà. Trois espèces de bêtes. De guerre champion, vous des espèces de chiens et LM bizarre. On va les cogner. On va les cogner. Une fois qu'ils sont cognés, on pourra se faire le boss en toute simplicité entre copains. J'ai vu pour finir la soirée en espérant que ça lutte. Et moi, je vous abandonnerai. Je vous souhaiterai bonne nuit à tous et à toutes. Je vous donne rendez-vous demain sur YouTube. Hop, la deuxième bête est tombée. La troisième est là-bas. Voilà, pareil, hein, le boss Monir n'est pas bien compliqué. C'est facile, suivi DPS simple. Il y a juste une histoire de petite tornade qui traverse la carte. Qui fait pas bien mal, mais qui... vous bump, donc vous perdez un petit peu de DPS sur le kickimeter, mais sinon voilà, c'est les 5 dernières minutes de ce live les amis avant de finir ce boss. Si vous avez des messages à laisser sur Twitch qui resteront gravés indéfiniment sur ce live qui sera rediffusé dans les jours, semaines qui viennent sur YouTube, si vous voulez que votre message reste dans les méandres de YouTube, j'ai quelque chose à dire. Voilà. Dédicace pour votre copine. Votre numéro de téléphone pour trouver l'amour, n'importe quoi, c'est le moment. Laissez tomber la timidité. Nous
sommes notre adulte responsable de l'ennemi. Sinon, vous attendrez la prochaine fois avant de dire des bêtises. C'est vraiment jamais. Alors qu'avec mon coup de Guéluron, on se fait une gote, le bonheur. Dernier boss de cette soirée folle. Farm, live, Twitch, Guardi, Gazamania et ses abonnés. En discussion, en rigolade, entre copains. Le trou, mon message, je t'aime. Bon. Comment dire? Merci. C'est dommage. Ouais. J'imagine que t'es un mec. C'est ça qui me dérange plus, mais bon. On fera avec, il n'y a pas de problème. Voilà. Encore une minute hein, pour ce vol. Je vais relever un petit peu de niveau. Voilà, on se fait le boss. Dernier rappel, les liens importants, Facebook, Twitter, les réseaux sociaux, la chaîne YouTube, le Twitch, les lundis rediffusion des lives, toute la semaine des vidéos Guild Wars 2 ou MMO, la page de don, le blog à manière honnête. Merci à mes copains, abonnés, collègues. On va quand même louper de quoi prendre partir. Hop. Merci à mes copains collègues. Deezers, Crashdon, Charmaine, Horn de Trelia et tous les autres qui sont passés, Eva Drun, etc. etc. Il y a eu un peu de. Il y a pas mal de monde qui est passé ce soir. Je vous embrasse, je vous dis à plus, bonne nuit, bonne soirée. Et puis à la prochaine, bien évidemment. Et bye bye, sur ce, je laisse l'antenne et bon repos. Allez, bye tout le monde, à plus à la prochaine, c'était Kaz.